Salut jeune guerrier, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le but aujourd'hui, ça va être de t'expliquer en 5 minutes chrono ce que c'est qu'une prise de masse et ce qu'il faut que tu fasses pour la réussir. Je te donnerai même à la fin de cette vidéo un plan d'action concret pour que tu puisses commencer ta prise de masse si jamais c'est ton objectif, bien sûr. Avant cela, j'en profite pour te dire que si jamais c'est la première fois que tu vois une de mes vidéos, je suis Victor du Guerrier Ectomorphe et ma mission, c'est d'aider toutes les personnes qui galèrent à prendre du poids à y arriver. Donc si tu te reconnais là-dedans, que tu veux prendre du poids, bah n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube pour te tenir au courant du contenu. Donc, première étape, qu'est-ce que c'est qu'une prise de masse? Tu vas vouloir faire une prise de masse si jamais tu te trouves trop fin ou trop maigre, que tu n'es pas satisfait de ton corps actuellement et que tu aimerais changer les choses. Le but, ça va être de devenir plus fort, plus solide, plus guerrier quoi. Commencer une prise de masse, ça veut tout simplement dire commencer une routine qui va te permettre de prendre du poids et de prendre du muscle. Jusque là, normalement, tout est clair pour toi, donc on va rentrer un petit peu plus dans les détails. Le souci quand on débute, c'est qu'avec toute l'information qu'il y a sur internet, sur YouTube, toutes les vidéos, bah, on perd un petit peu de vue l'essentiel. La conséquence de ça, c'est que du coup, bah, on sait pas par quoi commencer, et comme on sait pas par quoi commencer, bah, on commence pas, et du coup, forcément, il n'y a aucun résultat, aucun changement. C'est pour ça que je te fais cette petite vidéo, histoire que tu aies un point de départ et que tu saches sur quoi il va falloir te concentrer. En vrai, le principe de la prise de masse, bah, il est assez simple à comprendre parce qu'il va dépendre seulement de trois paramètres. Ton alimentation, ton entraînement et ton repos. Pour bien comprendre, tu peux voir ça comme un tabouret à trois pieds. Si tu enlèves un pied de ce tabouret, bah, il se casse la gueule, il n'a plus d'équilibre. Ta prise de masse, c'est un petit peu pareil. Il faut que ces trois paramètres soient respectés. Si tu n'en respectes que deux, bah, tu n'auras aucun résultat et tu risques d'être déçu. L'erreur classique, ce serait de se dire « Ok, je veux prendre du muscle, donc si je m'entraîne dur, ça va le faire ». Eh ben non, désolé, ça marche pas comme ça, il y a les deux autres paramètres à respecter. Donc ton but, à partir d'aujourd'hui, ça va être de faire tout ce qu'il faut pour réussir à cocher ces trois cases, et ça, tous les jours. Le truc, c'est que cette case, bah, elle va pas être aussi facile à cocher pour chacun de ces paramètres. Tu vas devoir fournir plus d'efforts, par exemple, sur ta nutrition que sur ton entraînement ou ton repos. Pour te donner un ordre d'idée, ton entraînement et ton repos, ça représente à peu près 30% de tes efforts. T'as d'ailleurs préparé un petit programme de musculation qui va être parfait pour commencer ta prise de masse. Il demande aucun matériel, tu peux le faire depuis chez toi et tu peux le télécharger dans la description de cette vidéo. Garde en tête que même si tu es super motivé, le repos c'est vraiment ultra important et que t'entraîner tous les jours c'est vraiment une énorme erreur. Les mecs par exemple qui font 50 pompes par jour en espérant prendre du poids, prendre de la masse, c'est une énorme erreur et c'est complètement débile. Sans rentrer dans les détails, bah, ton muscle ça va être au repos qui va se reconstruire et qui va du coup grossir, donc pas de repos égal. Pas de reconstruction égale pas de prise de muscle. Du coup, le mieux, bah, ça va être de t'entraîner 3 à 4 fois par semaine. Ça fait à peu près un jour sur deux et d'essayer de dormir environ 7-8 heures par nuit. Voilà pour l'entraînement et le repos. Maintenant, on va parler du vrai combat. Et le vrai combat, ça va être de réussir à manger suffisamment. 70% de tes efforts, tu vas devoir les mettre dans ton alimentation. Dans les films ou les jeux vidéo, bah, le monstre le plus puissant, le monstre le plus gros, c'est souvent celui qui a mangé le plus. C'est pas celui qui s'est le plus tapé, c'est pas celui qui a fait le plus de muscu. Et pour nous, bah, c'est pareil. Si tu veux réussir à devenir plus solide, à devenir plus fort, bah, il va falloir que tu manges plus. Donc en théorie, bah, c'est facile, mais en pratique, c'est beaucoup plus compliqué. Il va falloir que tu trouves quoi manger, à quel moment, dans quelle quantité, ce qu'il va falloir que tu achètes, comment faire pour manger quand t'as pas d'appétit, etc., etc. Et ça, c'est le sujet bah, de toutes mes autres vidéos. C'est pas dans une vidéo de 5 minutes comme ça que je vais pouvoir t'expliquer tout ça en détail. Donc n'hésite pas à aller les regarder par la suite. Le principe de base que tu dois retenir ici, c'est que pour réussir à prendre du poids, il va falloir que tu manges plus de calories que les calories que ton corps ne consomme. Il va aussi falloir que tu manges suffisamment de protéines, parce que la protéine, c'est la nourriture de ton muscle. Donc sans protéines, ton muscle ne va pas pouvoir grossir. J'explique tout ça de manière un petit peu plus poussée dans la vidéo du guide nutrition. C'est la vidéo que je te conseille de regarder juste après celle-ci pour rentrer un petit peu plus dans les détails. On arrive à la fin de cette vidéo, c'est tout pour le topo prise de masse. J'espère que tu as bien compris l'idée et que ça t'a motivé à te lancer. En tout cas, sache qu'être maigre, c'est pas une fatalité, t'es pas condamné à rester maigre toute ta vie. Tu peux complètement changer les choses et c'est ma mission de t'aider à y croire. Je t'avais dit au début de la vidéo que je te donnerais un plan d'action concret pour pouvoir commencer ta prise de masse. Donc voilà ce que je te conseille de faire là maintenant, tout de suite. Première chose, si t'es motivé, bah, écris-moi en commentaire ton poids, ta taille, ton âge et la date d'aujourd'hui. Ce commentaire, il va te servir en fait de contrat à toi-même. Tu pourras le mettre à jour dans le futur avec ton évolution. Aussi, pour la petite parenthèse, j'ai décidé de tirer au sort une personne parmi les commentaires de ce type pour lui offrir un suivi personnalisé sur les prochains mois et donc la garantie de résultat. Deuxième chose à faire, il faut que tu télécharges le programme de musculation que je t'ai mis dans la description de cette vidéo pour savoir quoi faire niveau entraînement. Troisième chose, si c'est pas encore fait, bah abonne-toi à la chaîne YouTube du Guerrier Ectomorphe pour te tenir au courant des vidéos futures qui vont venir t'aider à réussir ta prise de masse. Tu peux aussi me suivre sur Instagram, dessus je partage
mon quotidien, mes repas, mes recettes, ça va t'aider à rester motivé sur le long terme. En plus, on est toute une communauté sur Instagram d'ectomorphes à vouloir prendre du poids et ça va te montrer que t'es pas tout seul, tu vas trouver du soutien. Get over here! En conclusion, je tenais quand même à te dire que je trouve ça super que tu te motives à prendre du poids. Tu vas voir que les résultats, ils viennent assez vite si jamais tu fais les choses bien et t'es clairement au bon endroit pour y arriver. Donc vraiment, force à toi. Je vais essayer de t'aider au maximum avec toutes les vidéos de la chaîne du guerrier ectomorphe. Et la prochaine étape, comme ce que je te disais, ça va être de regarder la vidéo du guide nutrition. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Télécharge le programme, abonne-toi à la chaîne, suis-moi sur Instagram, mets-moi des petits pouces bleus sur cette vidéo si jamais t'as kiffé. Et moi, je te dis à très très vite dans la prochaine vidéo.